les gens, ici Zikino, et on continue la campagne 200% en full découverte de Zear Billions. La dernière fois on avait fait le village de la terreur et comme préannoncé, quoique difficulté 4, hein. Ouais mais c'est une mission de héros quoi. Mais on va se concentrer sur la forteresse des Cimes. Nous ne savons pas exactement quelle était la fonction de cette forteresse située au sud du désert. En dehors d'un bâtiment du côté nord, le reste du complexe est en plein air. Vous ne pouvez distinguer que quelques grosses machines au loin, et ce qui semble être des montagnes de cadavres. Nos éclaireurs rapportent que ce complexe est bourré d'infectés. On dirait qu'une grande horde a dévasté la forteresse et s'y est installée. Condition de victoire, obtenez l'objet de mission, artefact de mission. Le héros doit s'échapper vivant. Et après en secondaire, on a les objets de valeur et les technologies antiques. Comme d'habitude, avance. Essayez de tuer tous les infectés, mais allez-y doucement. Un ennemi à la fois. Si vous alertez la horde, c'est la mort assurée. Veillez à utiliser les défenses de la forteresse à votre avantage. J'avais pas vu qu'il y avait un bout de texte en plus. La sortie. Alors. Un complexe d'unités de PPH secteur 9. Attention, les camions de transport doivent livrer les cadavres à l'aile ouest. Ouest, c'est donc à gauche sur la carte. Les conteneurs de PPH seront collectés du lundi au vendredi à 10h. Qu'est-ce que c'est que le PPH ? Piège, puisque cadavre. Bon. Perfect. Silent and lethal. Comment ça, silent? D'ailleurs, niveau du lore, c'est toujours un peu bizarre de dire on a une armée, mais c'est le héros tout seul qui va devoir s'infiltrer et. Se débrouiller devant des bâtiments bourrés d'infectés. La barrière là-haut, tant pis. Hein.
Grenade, très bien. Bien ce qui me semblait, on va sûrement en avoir besoin assez vite. Là aussi. Ah oui, on peut les transporter, les barils et les... de grenade. Moi, les sacs de sable, je crois qu'il y a que ça de vrai. Hein. Donc tout ça, clairement, il va falloir une grenade. Ça reste hyper efficace. Ouais. Le baril pour deux zombies qui restaient, c'est légèrement exagéré. Mais si j'avais été un peu plus agressif, on va dire. On a vu qu'il y en a une masse qui s'était rassemblée. On attire plus là-haut. Ok, très mal fait.
for the Empire. No! Our soldiers are in trouble. Yes. Nice. Of course, this is going to be fun. They're already dead! Yes, okay. Not sure, but let's go. Avec tout ça, j'ai pas mal perdu de vie. Et n'ai pas encore de trousse de soins. Je me disais, ouais, bah, c'est qu'une mission de héros, ça va pas être beaucoup plus difficile que d'habitude. En fait, faites quand même un peu. Le souci, c'est qu'on est dans une énorme pièce directe. Et qui dit énorme pièce dit énormément de morts vivants. Ils ont fini par tout détruire, les plaques, les barricades. Non, bon, on va avancer. Si personne n'est attiré, on était quand même bien placé. Oula, ouais. Tant qu'il y en a un qui est là, je reste en défense, hein, surtout maintenant que j'ai plus de vie. Non, ils sont arrêtés, eux. Je sais pas s'il vaut mieux essayer d'aller là, s'il vaut mieux faire comme ça, s'il vaut mieux essayer d'aller dans cette salle d'à côté. Je dis petite, mais on sait pas quelle taille elle fait, la salle d'à côté. Se mettre là. Bon. Tant qu'on n'a pas vu de spawner, c'est que on avance. C'est-à-dire du moment où on a vu un spawner, ça devient la merde. Il y a quelque chose. PPH, attention, stockage de matières premières à 100%. Unité de PPH désactivée, coupure électrique complète dans le complexe.
Je devrais prendre un... Ici, on a donc non, faut pas tirer tant qu'il est proche des barils. On fait des dégâts de zone, c'est très bien. Par contre, ça va déclencher tous les barils d'un coup. C'est tout de suite moins bien. C'est-à-dire qu'on n'aura plus de barils pour nous-mêmes là où on veut. J'ai quand même l'impression que ouais, débloquer cette salle-ci est plus intéressant que de continuer dans la grande salle là. Ok. HPP en anglais, PPH en français. Donc il y a ici et cette caisse là. Certainement cette petite boîte ici, effectivement. J'aurais dû prendre un baril. Là, il y a une caisse aussi. Alors, j'ai aucune idée de si je réussirai à utiliser les barils, mais tous ici, c'est pire que d'essayer de les déplacer. Les... Oh, la trousse de soins. Sounds good. Anything more? Interesting. Come on. Yes. This would be useful. The more the merrier. That's easy. On a une trousse de soins. Je pense qu'on va quand même l'utiliser maintenant. 17 PV, c'est quand même trop risqué. Au nord, au sud. Je pense qu'en vrai, le mieux c'est par là-haut. Mais ça m'empêche pas de au moins poser le baril ici. Je pense qu'en bas c'est plus simple, mais en haut j'ai un peu plus l'impression d'être sur le bord de la carte. Et être sur le bord de la carte, ça veut dire que on pourra avancer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Petit à petit.
Voilà. Par exemple, quand on a des gros, je pense que mettre un baril, c'est pas si mal. Ou une grenade, mais les barils, tant qu'à faire, on sait qu'ils sont là. On n'est pas encore à l'autre bout de la carte, quoique un peu. Par rapport au baril, donc... On va les utiliser. C'est deux ressources limitées, mais... Il y en a une qu'on a toujours sur soi, l'autre il faut la préparer. Deux. Là, il y a des trucs aussi. J'ai l'impression que là c'est une porte fermée et qu'il n'y a pas de... Qu'il n'y a pas de porte justement, que c'est une zone fermée, il n'y a pas de porte. Eh ben on va pouvoir remballer nos barils et avancer. Par le mur, très bien. Clairement, c'était ça qu'il fallait faire. Venir ici, ça nous a permis de d'avoir un mur vers qui nous tourner et une réserve de barils plutôt généreuse. Celle-ci contre le mur, on s'en fout, c'est pas intéressant contre le mur, donc on va la remettre ici. Non. Aïe, aïe, aïe.
Ouais, 26 minutes, mais on relance. On relance, on fait pas un deuxième épisode. On sait que s'éloigner en bas à droite, c'est pas forcément utile. Ce qu'il faut, c'est... C'est monté. C'était quoi déjà là? L'aile ouest, oui. Je me doutais que j'étais un peu près du baril, que j'aurais dû m'éloigner, mais c'était compliqué. Some tricks up my sleeve. No fear. The party has just begun. Let me blow up some heads. So glad to do it. Mais si j'ai un peu envie de garder ces forts, ces barricades. Ok. J'ai utilisé le baril et il a été utile. Ce qui n'était pas le cas de la tentative précédente. On s'en fout. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de monter là-haut. Et là, il disait... Ouais. Stockage.
Understood. So glad to do it. Silent and lethal. For the Empire. Perfect. Understood. Yes. Perfect. Looks worth taking. That's easy. For the humans. For the Emperor. Nice. Anything more for the humans. Voilà. Pas tirer trop proche des barils quand on ne veut pas les déclencher. Right. Nice. Of course. Interesting. Come on. Of course. I love it. Et je crois que tricks up my sleeve. For the Emperor. Okay. On sait que ça se rejoint. Quel côté c'est le plus intéressant? Peut-être en bas, hein. Eh bien, on met un baril ici. Là, voilà. On va en prendre un sur nous. Voilà. On posera peut-être par là. On verra. Mais on en a un à l'arrière. Pour couvrir nos arrières, voilà. Understood. Good quality. All right. Oh non, je croyais qu'il allait plus pour faire les deux d'un coup. Et que la madame est ici. Ah, il y en a une autre. Et encore une. Ça m'a l'air bon. C'était tas de cadavres, j'avais pas fait gaffe.
On sait qu'il y a un gros, on va mettre ça là. Il est là, on le voit. On veut essayer de tirer le gros. Ne pas bouger, on attend tranquillement. Et plop, les jeux du signe. Je crois que c'était et le signe, t'étais sur quoi ce matin? Deux secondes. Je crois que ce matin, t'étais sur Symphonie, je sais plus quoi. D'ailleurs, j'ai pas entendu. C'est juste moi ou il n'y avait pas eu de. Pourtant, Streamlab est censé être là. Bon. Ça a continué. Ça marche. Tire pas à travers le mur, tire sur ceux qui te foncent dessus. Je suis d'accord, passons du jeu. Hey, t'as pas vu la notif? Ouais, mais je sais pas. C'est peut-être parce qu'il faut se reconnecter à Streamlabs ou un truc comme ça. Ça fait tellement longtemps. Non, parce qu'il voit quand même le raid. Faut que je refasse des tests. Ça fait longtemps. Alors non. Ce n'est pas une mise à jour Windows qui a fait sauter mon son parce qu'il n'y a pas de Windows sur ce qui touche à ce matériel. Pas depuis un peu plus d'un an. Et c'est que la carte graphique. Du coup, c'était bien, t'as avancé. Symphony of... j'ai oublié son... Trop long le nom. Moi, je suis content, j'ai réussi à faire le village de la terreur, la mission, j'avais, comme souvent, j'avais déjà testé 2-3 fois. Et si on va passer par là, comme ça on le tue, même si on n'est pas censé faire du 100% de tuer des ennemis. Du coup, j'ai fini le village de la terreur. Et bah, en fait, j'ai testé ce. J'ai vu que cette mission. J'ai oublié le nom. La forteresse d'acier était planquée derrière. Du coup, j'ai commencé à la faire et je suis mort au bout de 20 minutes. Bah, j'avais nettoyé cette zone-là et en ressortant de la zone. En ressortant de la zone, ça s'est pas passé comme prévu. Et du coup, j'ai voulu recommencer en commençant par cette zone, vu qu'on arrive ici. On arrive dans cette salle, mais elle est énorme, cette salle. Elle fait tout ça au moins. Et je suis pas allé jusqu'au nord, donc je sais pas. Je sais pas à quel point elle est grande. Mais c'est qu'une seule salle avec des barrières, des barricades comme ça que les zombies aiment bien taper, des tas de sable, de sacs de sable. Mais c'est surtout bien ouvert avec des barrières un peu comme ça, mais c'est ouvert des deux côtés. Donc, c'est compliqué. C'est l'air de se faire une petite pause pour les montages. Très bien. Et ben bon montage. Merci pour le bon courage.
Ça se passe rarement comme prévu sur table, mais c'est une mission de héros. En général, ça se passe pas trop difficilement. Voilà. On va se mettre là. Ça, on a déjà pris. Un peu comme tout à l'heure, on va redescendre ici. Ils ont détruit toutes les barricades qui restaient dans la salle. Voilà. Je vais mettre en pause 2 secondes. Il y a plus de soleil. Du coup, je peux diminuer la luminosité de mes écrans. Ouf. Violent, mais au moins je vais pas trop me brûler les yeux. Alors allez, il faut tirer. Il faut se débarrasser de la zombie. Détruire ici. Sur le mur en face du PC. Voilà, bon. On va essayer d'avancer, hein. Works worth.
Deux grenades, très bien. Alors on arrive peut-être au mur là au bout. Ce qui fait qu'on aura fait le L. Ça c'est une porte. Après, en général, je nettoie à 100% ou presque une salle avant d'ouvrir la suivante. Alors la porte c'est bien, mais c'est pas pour tout de suite. Il y a un trou. On avance petit à petit, ou plutôt on nettoie petit à petit, on aspire les belliqueux, les belliqueux. Non, là-bas, tant pis pour la barricade, hein, mais celles-ci, elles sont bien. Là-bas, ouais, un peu, mais pas ouf. Voilà, avec deux misclics, on partait en cacahuète tout de suite. 16 PV, ouais, non. On se soigne. J'aurais dû utiliser une grenade. Les PV que ça m'a coûté, c'était... Ça valait pas le coup. Voilà, à travers la grille, c'est parfait. Allez, un peu tôt, mais c'est pas grave. On a des barils.
Je crois que j'avais déjà pris celui-ci parce que... Parce que contre le mur, il a pas l'air très intéressant. Alors d'ici, c'est comme là, on dirait que c'est une petite salle, mais qu'on peut passer des deux côtés. Et... Super, dirons-nous. J'ai dû utiliser une grenade quand je les ai tous vus arriver. Bon, et bien... Forteresse d'acier est compliqué à prendre. En même temps, c'est une difficulté 4 quand là, c'est une difficulté 3. Donc on verra. Pour le moment, je pense que 2 tentatives dans un épisode, ça va suffire. Je suis en train de réfléchir si j'irai pas faire la horde plutôt de l'autre côté. Mais ça, dans tous les cas, ça sera pour un autre épisode. À bientôt.